2, 3. Je ne vois pas ce qu'on peut faire pour t'éloigner de la première page, Scara. La semaine prochaine, Super Strikers contre l'invincible United. C'est chaque fois la même chose. Qui marquera le plus de buts? Shakes ou Scara? Scara ou Shakes? Bah, Scara, ta colère ne sert pas vraiment l'invincible United. Mais ça me rend malade d'être constamment comparé à lui. Quand nous affronterons les Super Strikers, je veux montrer à la Super League une bonne fois pour toutes qui est le meilleur. Eh bien, tu peux le faire facilement en trois étapes, Scara. Étape 1, découvre quels sont les plans de ton adversaire. Étape 2, ruine complètement leurs plans. Ou utilise-le à ton avantage. Et l'étape 3? Étape 3, fais pas de bêtises. Compris. Alors comment je peux savoir ce que les Super Strikers ont en tête? Continue de lire. Twisting Tiger est un extraterrestre? Non, c'est pas ça! Le coach des Super Strikers aperçu sortant de l'Institut de Fitness avant le match contre United? retourne au travail, toi! Et quoi que tu fasses, fais-le bien! Qu'est-ce que tu fais? Étape 1. I'm finally here. My heart is pounding. 50,000 fans screaming. I can't get my breath. The whistle sounding. With every ounce of effort, every skill that I've got, I'll play the Super League's greatest, give them my best shot. Every minute of the 90, now I'm gonna be a fighter. Cause 1, 2, 3, I'm a Super Striker. Striker. Tous nos matchs contre l'invincible United sont des combats. Celui qui vient ne fera pas exception. Alors coach, comment allons-nous savoir ce que United nous réserve? Parfois, Shex, la meilleure préparation, c'est de se préparer à tout. Mais coach, ces rumeurs comme quoi on va se préparer à l'Institut du Fitness, elles sont vraies? Ouais, et c'est vrai que Twisting Tiger vient d'une autre planète. Est-ce que je peux garer ma soucoupe volante sur votre terrain de foot? Oui, Klaus. Le professeur a presque terminé son travail sur la machine à marquage. C'est une machine qui vous compare à votre adversaire direct et calcule un programme d'entraînement pour vous aider à le dépasser physiquement. Oh, très bien. Voyons voir si on va... si on vient ici et qu'on... Étape 1. Découvrir ce que ton adversaire prépare. Excellent. Génial. En analysant avec précision les adversaires des Super Strikers, cette machine peut calculer le meilleur programme d'entraînement pour chaque joueur. Étape 1, terminée. Cette machine va certainement aider les Super Strikers à accéder au sommet du classement en Super League. Étape 2, ruiner leur plan ou l'utiliser à mon avantage. Je prends les deux, merci. Machine à marquage, arrêt. Coach? Ça marche vraiment à la perfection, coach. Je suis certain que cela donnera aux Super Strikers l'avantage que vous recherchez. Excellent. Ah! Professeur? Professeur? Oh, mon Dieu! Coach, je... J'ai peur d'avoir de bien mauvaises nouvelles. La machine est... elle est cassée. Il faut que vous sachiez que j'ai appris le Jeet Kune Do avec Bruce Lee en personne. Vraiment? En fait, avec... c'était le père du cousin du mari de sa tante. Ah, dommage que vous n'ayez pris aucun cours avec Houdini ou avec le père du cousin du mari de sa tante. Alors, qu'est-ce que vous attendez au juste? Je refuse de... Ma
machine à marquage marche. Bienvenue sur le programme Machine à marquage. La machine à marquage calcule le meilleur programme d'entraînement pour chaque joueur de la Super League. Merci de sélectionner votre équipe adverse. Vous avez choisi les Super Strikers. Veuillez maintenant choisir le joueur à marquer, North Shore. Pour valider, tapez Entrée. North Shore, j'en veux un autre. Shakes. Non, j'en veux un plus fort. El Matador. Plus rapide. Cool Joe. Plus grand. Twisting Tiger. Plus agressif. Block. Big Bo. Tiger. J'en veux d'autres. Shakes. Rasta. Ah! Sélection multijoueur validée et en cours. Voilà, c'est ça. C'est ça qu'il me faut. Je ne suis pas sûr que ce soit bon de faire du multijoueur. Les risques de NDAS, de narcolepsie due au surentraînement, sont trop grands. Vous pourriez... Êtes-vous sûr de vouloir continuer? Oui. Êtes-vous vraiment sûr de vouloir continuer? Oui. Vraiment, vraiment sûr? Oui, j'en suis sûr. Wow. On dirait que mon programme d'entraînement vient juste de m'être délivré. Vous allez beaucoup trop loin, Scara. Vous allez beaucoup trop loin. Bonjour, j'espère que vous avez bien dormi, parce que vous allez passer une très dure journée. Hey, coach, où est ma planche de surf super cool de chez Cool? Et mes robots d'entraînement? Ah, d'accord. Vous nous avez préparé un programme super relax, hein, coach? Ce rêve a l'air tellement vrai. Hein? Qu'est-ce que vous faites tous dans ma chambre? Hein? Hein? Bienvenue à l'entraînement 90 minutes et plus. Coach, vous croyez pas qu'on ferait mieux de s'entraîner sur cible mouvante au centre d'entraînement secret? Shakes, à l'heure qu'il est, tu toucherais un timbre poste à 100 mètres. Mais est-ce que tu peux faire pencher un match en notre faveur en moins de 90 minutes? Commencez à courir. 90 tours, un pour chaque minute d'un match. C'est pas un rêve du tout, c'est un cauchemar. La machine n'est pas conçue pour fonctionner comme ça. C'est dangereux. J'ai essayé de vous prévenir. La narcolepsie due au sur... Je ne sais pas quelle langue vous parlez, mais ça commence à m'ennuyer. Attendez, écoutez-moi. Il en va de votre santé. Quoi? C'est tout? C'est ça le danger? Je serai inarrêtable dans moins de 30 minutes. Ah. 90 minutes et plus se compose de 3 étapes. Je les désigne par le sigle AVA. Le A du début, c'est pour adresse. Gardez toujours le contrôle ou vous perdez le match à coup sûr. Je préférerais que le A soit pour à la plage. Oh, je suis déjà mort. Le V du milieu, c'est pour vitalité. Soyez toujours au top physiquement, ou United va vous broyer menu. C'est ça qu'on appelle les medicine balls, hein? Ouais, man. Mais je ne ressens pas vraiment les effets de la médecine. Oh! Vous voyez ce que je veux dire? Il ne me reste plus que 2 jours pour finir mon programme. Le A de la fin, c'est pour attitude. Gardez toujours une longueur d'avance sur votre adversaire, en analysant son jeu et en prévoyant ce qu'il va faire. L'attitude à adopter, c'est de trouver un moyen d'utiliser le plan de jeu de l'adversaire contre lui pendant les 90 minutes du match. Je suis d'accord avec toi, mec. Je suis complètement fracassé. Je crois qu'on doit laisser le terrain à quelqu'un d'autre, les gars. C'est moi qui ai invité ces jeunes gens. Ils sont là pour jouer contre vous. Rappelez-vous, ça s'appelle 90 minutes et plus. Ah,
C'est jour de match à Strike Island. Et quel match ! Les Super Strikers affrontent l'invincible United. Tout à fait, Brenda. Les fans attendent, que dis-je, espèrent une bataille épique. Pas seulement parce que ces deux équipes sont de vieilles ennemies, mais aussi parce que leurs attaquants partagent une longue et tumultueuse histoire. C'est tout ce que nous avons à faire. Ça me semble parfait. Nous allons dominer les 30 dernières minutes. Souvenez-vous de respecter le plan. Bien sûr, patron. Après tout ce qu'on a pu dire sur Shakes et Scarra, et sur leur rivalité de longue date, il semble judicieux d'aborder tout de suite un sujet qui prête à controverse. La question qui est sur toutes les lèvres, mais où est Scarra ? Comment l'invincible United peut-il gagner sans son joueur vedette ? Je suppose que cela donne à Shakes une chance de rester en tête des buteurs, Mac. Scarra absent ! Mec, mais on va se promener, c'est la fête ! L'invincible United ne présente pas vraiment son meilleur visage aujourd'hui. Scarra est vraiment forfait pour ce match ? Ça va être trop facile. Les Super Strikers sont forts partout aujourd'hui. Shake se présente seul devant le gardien. Et il le trompe ! But ! L'invincible United ne montre décidément pas grand-chose dans ce match. On approche de la mi-temps et voilà que les Super Strikers marquent à nouveau et mènent 3-0. Ouais ! Hein ? Oh ! Machine à marquage en marche ! Bienvenue sur le programme Machine à marquage. Je suis désolée, je sais que ça fait mal, ma chérie. Commençons la séquence de test. Je commence la séquence de test. Je vais revenir, ma chérie. Enfin, je crois. Au début, j'ai pensé qu'on avait de la chance que Scarra ne joue pas. Mais il s'en moquait complètement qu'on marque. Je vous le dis, il nous cache sûrement quelque chose. Je suis d'accord, Shex. Ils vont faire entrer Scarra en deuxième mi-temps. La question est, pourquoi ils le laissent sur le banc aussi longtemps ? On va pas tarder à le savoir. 1, 2, 3, Super Strikers ! Mais qu'est-ce qui lui arrive ? Monsieur, est-ce que ça va ? Eh, hey, comment ça va ? Quoi, ça va, Sylvie ? Regardez ! Mais il est énorme! Comment on va faire pour arrêter ce monstre? Scarra ressemble à une espèce de super-héros. Les Super Strikers devraient se méfier. Parfait! C'est bien pour ça qu'on s'est entraîné si dur, hein? Prêt à tout? Je crois que ça correspond à cette description. Scarra a choisi son moment à la perfection! Qu'est-ce qu'il a choisi à la perfection? Comment contrer les effets de la narcolepsie due à l'effort? La NDAE? Vous connaissez? Non, j'ai la MDS. La manie des... sigles. Scarra a subi un entraînement qui pourrait le rendre inarrêtable jusqu'à la fin du match. Je crois qu'on va s'amuser. Et je crois que tu vas être déçu. Oh. Et moi, je crois pas. Vous avez vu comme moi ?
Mais le bloc est là. Wow, oh, oh. Quoi? Il n'y a pas faute? But de l'invincible United! Ils reviennent au score! Scara est une armée à lui tout seul. Il est vraiment très impressionnant. Allez. Carrément, mec. C'est quoi ça? Il commence à jouer seulement à la 65e? Qu'est-ce que le coach a dit? Gardez mentalement une longueur d'avance sur votre adversaire en observant son jeu et en prédisant ce qu'il va faire. Vu ça, c'est le deuxième but pour Scara et l'invincible United. Peuvent-ils égaliser? Il ne reste que 15 minutes. Je crois que je vais en marquer un autre. Peut-être même deux. Pourquoi est-ce que Scara est entré si tard? Et que signifie ce compte à rebours? Automatique qu'on n'est pas au rugby. Oh. Désolé. Oh. Oh, allez. Lève-toi. Lève-toi. Tu as l'air un peu pressé, hein, Scara. Shakes, mec. Ça va aller? Scara ne peut jouer à Super Scara que pendant 30 minutes. Tu en es sûr? Ouais. Il a mis un compte à rebours sur sa montre et il s'arrête à 90 minutes. Oh, c'est pas vrai. Tu vas te servir de ta blessure pour allonger la durée du match. Mais si tu as raison, ils vont le faire sortir avant les arrêts de jeu. Pas si je peux l'empêcher. En une minute, on pourrait transformer sa force en une faiblesse. Nous assistons à une scène incroyable. C'est vrai que c'est inhabituel. Mac, peut-il marquer? Oh oui, il le peut! But! Scara égalise! Oh oui, je l'ai fait! Je te l'avais bien dit! Pourquoi tu regardes ta montre, Superstar? T'as un rendez-vous galant après le match? À nouveau sonner le canon. Mais sans marquer, il a quand même tordu le poteau. 3 minutes de prolongation. Fatigué? Non, c'est faux. Alors pourquoi ils te font sortir? Bah alors, Superstar, tu peux pas tenir 3 minutes de plus? Non, pas question. Cette victoire, c'est la mienne. Scara! Scara! Non, 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 non! Je n'ai pas pu me tromper. Est-ce que j'ai pu me tromper? Je me suis trompé! Je n'ai jamais vu Scara jouer comme ça, Mac. C'est lui le patron de Strikerland. Et on dirait qu'il va marquer le but de la victoire. Pourvu que j'ai raison. J'avais raison. Je me suis trompé, hein. 27 secondes près. Mais la question est... comment ? Scara n'est plus que l'ombre de lui-même. De héros à zéro. En une poignée de secondes. Oh! Et le gardien de l'invincible qui s'aventure bien loin de ses buts. C'est maintenant ou jamais. Va-t-il l'avoir?
But! Jakes marque le but décisif alors qu'il ne reste plus que quelques secondes à jouer. Comment les Super Strikers ont-ils arraché la victoire aujourd'hui? Je crois qu'il n'a pas pu faire mieux que... 30. Étape 3! Il oublie toujours l'étape 3! Pas de bêtises! Bien joué, mec. Tu t'es servi de ta tête. Ouais, finalement, elle est aussi importante que mes pieds, alors... Bonne nuit, hein? Fais de bons rêves. Mais maman, je voulais une tartine de confiture.